Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Shemat Avram Mordechai Ben Yisrael Gvafani Dvora, Bat Esther et Sol Vanish Lebet Delmar, ainsi que le Fat Amram Ben Masoudi, Betor Shah Kholi Israël. Est-ce que vous souhaitez aussi aider notre chaîne YouTube du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions en Sakhati Vamot Perik Vav Mishnah Ekoen, et Diotro Israël Onit, et la Imken Yeshlo Isha Ovanim. Rabbi Yoda Omer Afalpi Yeshlo Isha Ovanim, Loïsa Ailonit, Sheizona Amora Batura, Vachatami Mourim, Enzona Ela Gioret Meshoheret, Vesheniv Ala Beilat Znout. Comme je vous ai dit déjà depuis maintenant 2-3 Mishnah en arrière, 3 Mishnah en arrière déjà, on va commencer, on traite essentiellement de toutes les mitzvot qui concernent les Kohanim, ça va partir dans tous les sens, dans toutes les choses possibles, donc Parashat Emor, chaque fois qu'il y aura des séquences de la Torah qui parlent qui s'adressent spécifiquement aux Kohanim, tout va être traité dans notre Maaseret Yevamot, dans les prochaines Mishnayot, prochains chapitres. Maintenant on s'intéresse avec les femmes avec qui le Kohen ne peut pas se marier. Il y a marqué dans le pasuk un Kohen Hediot, un Kohen simple, pas un Kohen Gadol. Il ne peut pas se marier Isha Zona va Chalala Loikach. Il ne peut pas se marier avec une femme Zona, ni avec une Chalala. Chalala, c'est simple. Chalal, c'est le vide. Ça veut dire qu'on parle d'une femme qui était profanée. Soit c'était une femme qui appartenait à la famille des Kohanim, son père était un Kohen, mais qui s'est marié avec un mariage interdit. L'enfant qui va naître va être un Chalal. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Et c'est pire que d'être un Israël. Un Israël, c'est quelqu'un qui n'a jamais été Kohen. Quelqu'un qui a un halal, c'est quelqu'un qui était un Kohen et qui a été profané. Il va avoir un statut spécial qui va être plus éloigné qu'un Israël classique. Ça, c'est la halala et on n'en parle pas pour le moment. On va parler plutôt dans notre Mishnah de c'est quoi une zona. Vulgairement traduit par prostituée. Vulgairement dans le sens, pas vulgaire le mot vulgaire, mais dans le sens vulgairement inexactement. Traduit par prostituée. C'est vrai qu'en hébreu moderne, une zona, c'est une prostituée. Même en hébreu de la Torah, parfois. Mais là, en l'occurrence, pour le Kohen, la zona, c'est pas ça. Il y a, dans la Gemara, si sa vie, c'est quoi, une zona, qui est interdite. Il y a effectivement un avis qui pense que c'est une femme qui s'est prostituée, une Kedesha, mais c'est pas retenu pour la Lacha. Pour la Lacha, ce qu'on tient, c'est quoi, une zona? C'est une femme qui a eu un rapport avec un homme avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Même sur ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord, ça peut inclure d'abord avoir un rapport avec un goy, ou avoir un rapport avec un juif qui peut être soit un chayvé kritout, soit un chayvé lavine, soit un chayvé assé. D'accord? Plusieurs niveaux d'interdit. Par exemple, ça peut être un mamzer, elle a eu un rapport avec un mamzer, c'est fini, elle est devenue halal, elle est devenue zona. Mais tandis que, concrètement, s'il y a une femme qui va se prostituer, concrètement, eh ben, elle ne va pas devenir une zona qui va être interdite au Kohen. Entre parenthèses, c'est une problématique très embêtante à notre époque, pour tous ces jeunes qui ont une vie un petit peu frivole, mettant sans traditionnaliste quand même tant bien que mal, et là-bas il y a aussi des Kohanim, et puis il va connaître une jeune fille qui a eu un rapport quelques années avant avec un goy, il n'a pas le droit de se marier avec elle, c'est une halala. C'est dur, c'est comme ça, il ne faut pas se marier avec elle. Elle est devenue zona, d'accord? Elle a pris un statut de zona. Idem aussi, entre parenthèses, bon, bien sûr, une femme qui a pu tromper son mari, elle a un statut de zona aussi, parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir ce rapport, et aussi, voilà, d'accord? Ça c'est la zona, ça va être pour la halakha, ça va être la dernière partie de la Mishnah. Maintenant, on va revenir en arrière pour commencer la Mishnah. Le problème, c'est que toute la Mishnah, il fallait la présenter à l'envers, en fait. Mais bon, c'est fréquent dans la Mishnah que ça se passe comme ça. Que c'est d'un sujet à l'autre qu'on se retrouve à parler d'un sujet plus essentiel, en fait. Maintenant, dans notre Mishnah, on va parler d'une femme qui est Aïlonite. Alors, une Aïlonite, c'est quoi? Aïlonite, c'est une femme qui ne développe pas son corps de femme comme il faut. Il y a plusieurs niveaux. Elle a une voix, elle peut avoir une voix plus grasse, comme un homme. Elle peut avoir sa poitrine qui ne se développe pas. En général, elle va avoir, il y a, je ne sais pas exactement la gamma, elle parle, je ne sais pas c'est quoi, chipoulémaïm, dans sa partie génitale. Elle ne va pas se développer comme une femme normalement, mais elle va rester plus avec une allure de petite fille. En général, elle ne sécrète pas de sécrétion, elle ne développe pas son utérus comme il faut. C'est essentiellement les caractéristiques d'une aïlonite. Maintenant, en traduction en bon français, j'ai un vrai problème, je ne sais pas comment le traduire, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre de Wikipédia, ça s'appelle en fait une androgyne. Et dans ce cas-là, ça me pose problème, parce qu'une androgyne, dans la Mishnah, quand on parle de androgynos, c'est pas ça. Androgynos, c'est quelqu'un qui a les deux sexes. Androgène, c'est qu'il y a les deux. C'est un homme et une femme en même temps. Et en fait, apparemment, ça correspond plus à l'hermaphrodite. Alors, je ne vais pas m'engager parce que j'ai déjà lu pendant 5 minutes de Wikipédia, ça m'a un peu barbé et saoulé de lire des tas de bêtises pour pouvoir parler en bon français devant vous, mais bon, on va s'arrêter là. Donc, d'accord, apparemment, c'est ce qu'on pourrait appeler une androgyne, c'est-à-dire c'est une femme dont je reprends qui ne développe pas son corps de femme. Le problème de cette femme,
c'est qu'elle donc elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est pas que c'est une femme qui a une petite stérilité parce qu'elle a un quelconque. Elle a concrètement, il lui manque tout le développement de l'utérus. Ça, c'est une aïlonite. Selon Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on va découvrir, une zona, selon Rabbi Yehuda, ça n'a aucun rapport avec prostituée. C'est déduit d'un passage, c'est le fait que quand c'est le fait qu'un cohen a la parole avec une femme qui est concrètement, qui n'a aucune possibilité d'avoir d'enfant, le cohen n'a pas le droit de se marier avec elle selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que, dans le sens où il déduit ça d'un passouk, le fait qu'il va avoir des rapports qui ne peuvent pas enfanter, c'est des rapports purement stériles, sans ça qu'on l'a considéré comme zona, selon Rabbi Yehuda. D'accord? Suite à ça, maintenant, on va arriver au début de la Mishnah pour m'enseigner que. Tout d'abord, n'importe quel homme n'a pas le droit de se marier avec une femme stérile tant qu'il n'a pas d'enfant. On a un devoir d'avoir des enfants. Ça va être la prochaine Mishnah d'ailleurs. Suite à ça, on va revenir et plus détailler. Ça va être dans la prochaine Mishnah. L'homme, il a un devoir d'avoir des enfants. Au moins un garçon et une fille. C'est-à-dire qu'un homme, il a pas de. Il n'est pas en droit de partir se marier avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Il n'a pas le droit de se marier avec une Aïlonite. Sauf s'il a déjà eu des enfants, il a le droit de se marier avec elle. Et sur ça, il va y avoir Rabbi Yehuda qui va me dire non. Un Cohen, il n'a pas le droit, mais le Cohen, il n'aura pas le droit de se marier malgré tout avec la Aïlonite, même s'il a déjà eu des enfants. Parce que c'est une zona, tandis que Chachamim vont lui rétorquer en disant non, une zona, ça n'a aucun rapport avec une femme, avec une Aïlonite, avec l'androgyne, mais c'est, on parle d'une zona, on parle d'une femme qui a eu des rapports avec une personne qui ne pouvait pas se marier. Je vous ai fait toute la Mishnah à l'oral et regardez comment on va faire tout ça dans les mots. Cohen Hediot Loïsa Aïlonite. Un Cohen Hediot ne pourra pas se marier avec une Aïlonite. Et la Imken Yashlo Banim, sauf. S'il a déjà une femme et des enfants, c'est-à-dire il s'est marié une fois avec une femme et il a eu des enfants corrects avec elle. L'expression du original, soit, ah ouais, d'accord, il me répond le petit Fatessal. Sauf s'il a aussi une femme qui peut avoir des enfants normalement, ou bien s'il a déjà eu des enfants avec une autre femme, il n'a pas obligé d'avoir une autre femme en ce moment. L'essentiel, c'est qu'il ait la possibilité d'avoir des enfants. Et dans ce cas-là, hein, le Cohen Hediot aura le droit de se marier avec une Aïlonite. Tout comme n'importe quel homme aura le droit de se marier avec un Aïlonite, s'il a déjà des enfants, il a la possibilité d'avoir deux enfants avec une autre femme. Mais se marier qu'avec une femme Aïlonite, il n'a pas le droit parce qu'il a un devoir d'avoir des enfants. La Mishnah a pris Kohen Gadol, mais comme nous dit le Barthénois tout de suite, Vehu Adin Israël. On parle d'un Kohen comme dans Israël, mais on a besoin de dire le mot Kohen par rapport à la suite de la Mishnah. Mais on parle en fait pour n'importe quel Israël, et même le Kohen. Tandis que Rabbi Yehuda Omer a fait piché chez Louisha Obanim, le Israël Aïlonite. Rabbi Yehuda dit que même si elle a une femme, si elle a une femme et il a déjà des enfants, il n'a pas le droit de se marier avec une Aïlonite. Vous savez pourquoi? Parce que chez Izona Ha'amura Batura, parce que c'est ça la zona que la Torah lui a interdit dans la Torah, quand la Torah a dit Isha Zona V'Halala, à ne pas traduire avec prostituée, ça n'a aucun rapport. C'est avec une femme plutôt que c'est impossible d'avoir des enfants. La Chachamim envoyé, tandis que Chachamim rétorque à Rabbi Yehuda en lui disant En Zona Ela, Gioret, Umshuchereret, Veshiniv Ala Be'ilat Znut. Chachamim lui rétorque en lui disant que non, une zona qui est interdite dans la Torah, on parle que d'une. Guillorette, d'une convertie, soit parce qu'en fait elle a eu des rapports pendant qu'elle était Goya, on suppose qu'elle a eu des enfants, elle a eu des rapports avec quelqu'un d'interdit, même si elle-même elle ne sait pas, mais peut-être que quand elle avait 3 ans elle a déjà eu des rapports, ou me choucherait encore avec une femme qui a été, une esclave qui a été libérée, parce que chez les esclaves c'est un petit peu frivole comme ambiance. Donc c'est sûr qu'ils ont eu des rapports avec un esclave. Un esclave, c'est comme un goy. Ça rend la femme zona. Vesheniv alab et la znout encore qui a eu un rapport de znout à inclure, comme nous dit le Barthénois, qui gon chayve la vie, no chayve asin, tous les interdits de la Torah par lav ou par assez. Et à plus forte raison, les chayve écritout, mitot bedin. Ça rend une femme zona. Tandis qu'une femme qui est androgyne, qui peut avoir un enfant, qui est stérile, elle n'a aucun rapport avec une zona, et donc il a le droit de se marier avec elle, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.